T'as regardé le beau bout. Pour les infos du sport, je suis avec l'entraîneur de Planoise. Alors, déçu par cette défaite 2-0 face à Roche? Bah, évidemment, totalement déçu. Avant ça, j'aimerais quand même, en aparté, rendre hommage à notre, je dirais, ancien taulier Jean-Paul M, qui est décédé, suite à un long cancer. Et voilà, c'est quelqu'un qui a œuvré pour le club pendant plus de 30 ans, qui a fait un boulot phénoménal pour le club. Donc voilà, c'est une perte lourde pour le club, je crois pour le monde du football, puisqu'il était connu par pas mal de monde. Donc je présente toutes mes condoléances évidemment à Josette et à sa famille. Et on aurait voulu faire mieux pour lui, puis pour nous aussi, parce qu'on avait envie, on avait à cœur, si tu veux, de battre Roche, qui est une équipe, qui est une belle équipe, qui est invaincue, qui a un bloc très, très intéressant. Là, on l'a pas fait, donc évidemment, comme je te le dis, on est évidemment déçus. Mais pas abattu. Hein. Après, il reste des matchs. On fait une belle saison. On est en tête depuis un petit moment déjà. Je crois qu'on ne l'avait pas volé. Donc maintenant, on est derrière. On a un match en retard très important à Morbihan la semaine prochaine. Ben, on va essayer évidemment de tout donner. Et ça, il faudra compter sur Planoise pour donner son maximum, pour espérer quelque chose. Parce qu'on veut quelque chose cette saison, c'est très clair. Je veux dire, pas à se cacher. On a envie de quelque chose et on ira le chercher. Maintenant, on donnera tout pour. Si malheureusement, ben, ça ne viendra pas, on acceptera aussi parce qu'on aura tout donné. Voilà, après, dans le jeu, ouais, c'était pas un bon match, malheureusement. Ce match s'annonçait comme le choc du groupe B et malheureusement, moi, j'ai pas vu un beau match. Alors, évidemment, déjà, de notre faute, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas fait ce qui était prévu et ce qu'on fait habituellement. Et puis, ben, comme souvent, Roche... marque une fois de plus sur coup de pied arrêté, on le savait, j'avais averti les gars que c'était une équipe qui était dangereuse sur coup de pied arrêté. Voilà, elle met son but et ensuite ça a été très difficile de les contourner et d'essayer d'obtenir un résultat favorable. Donc voilà, on a fait un non-match, il faut l'accepter, hein, le football c'est comme ça, hein, des fois tu gagnes, tu perds, donc du coup on va se remobiliser. Ce qui est certain c'est qu'on donnera tout, on ne lâchera pas. Hein. Je veux dire, on veut absolument revenir, absolument avoir quelque chose cette saison parce que je pense qu'on le mérite. Donc il faudra compter sur nous. Merci. Salut.